passage de Christian Boulem avec sa... les retrouvailles avec sa Suzuki Swift. Ah voilà, ils ont refermé le capot avant de la Saab Turbo. Voilà Florian Rivière et sa Golf. Volkswagen Polo. Ça marque le Polo. Toutes ces voitures qui maintenant sont des voitures un petit peu anciennes, quoi, qui ont beaucoup moins de sécurité passive, finalement elles sont beaucoup plus légères que les voitures de maintenant. Et donc les gens qui font ce genre de manifestations, ils les recherchent parce que... ça leur évite d'avoir un poids énorme à traîner sur les montées. Là, la GT Turbo qui souffle, regardez. Phase 1, du Phase 1, Phase 2 de R5 GT Turbo. Je vous le disais tout à l'heure, la seule voiture qui a réussi, alors qu'elle était en groupe, elle a remporté une épreuve du championnat du monde des rallyes avec Alain Oreille. Ça n'est plus jamais arrivé depuis. Et voilà, voilà Christian Boulem qui retrouve sa voiture. Lui, l'ancien pilote de la Tour de France. Le volant de sa Suzuki Swift. Et le monsieur qui est à côté va avoir 3 litres sur le siège au moment de l'arrivée au parking là-haut, parce que ça a dû le surprendre. Mais non, il a été prudent. Hein. Ça a dû lui faire plaisir à Christian de retrouver sa Suzuki Swift, avec laquelle il avait de nombreuses fois brillé du côté du rallye de la Pomme. À l'époque, il y avait le rallye de la Pomme et de Saint-Thierrier. C'était un rallye qui se situait le samedi sur la région de Brive et le dimanche sur la région de Saint-Thierrier. Maintenant, Brive est gagné. Et que sur Saint-Thierrier, ça sera d'ailleurs le week-end prochain, je crois, du côté de Saint-Thierrier, si vous aimez le rallye. Je crois que le rallye de Saint-Thierrier, c'est le week-end prochain. Ah, c'est ça ? Merci, donc c'est ça, le rallye de Saint-Thierry. Donc si vous aimez le rallye, allez du côté de Saint-Thierry, Coussac-Bonneval, il y a des magnifiques spéciales, donc n'hésitez pas. Alors là, on retrouve Eric avec la Delta, qui a même laissé la soudaine avec la botte de paille, là-bas, la rampe de phare, il va être obligé de la remplacer, il y a un peu pour des sous. Et donc je crois qu'il y a une nouvelle spéciale cette année en plus au rallye de Saint-Thierry, voilà, vous connaissez bien, donc il y a deux nouvelles spéciales, c'est ça. Donc allez-y, si vous aimez, c'est un des plus beaux rallyes de la région, puisque vous le savez maintenant, le rallye du Limousin n'existe plus. Et le rallye de Saint-Thierrier, donc, est le rallye le plus important de la région. Donc n'hésitez pas, samedi et dimanche, du côté de Saint-Thierrier. Il doit être beau à voir ce rallye-là.